That is. Bună seara! Sunt Igor Babiac. Am venit astăzi din Republica Moldova cu ocazia proiecției filmului La limita de jos a cerului la Strasbourg, un eveniment organizat de Institutul Cultural Român din Strasbourg, care prezintă mai multe filme românești. Sunt prima dată în Strasbourg. Cred că este un oraș, mie îmi place, este un oraș frumos. Ce să zic, sunt lucruri în Strasbourg pe care am vrea să le vedem și la noi acasă. Vorbesc acum de nivelul de trai, dragostea asta între oameni, pentru că văd pe stradă oameni foarte, foarte buni, foarte îngăduitori. Un oraș frumos, tramvaiele sunt curate, străzile sunt frumoase, bine, lucruri dar, bine amenajate. Ce Igor Cobulianski n-a venit și el aici la proiecția filmului la Strasbourg? Am înțeles, eu nu știu motivul de ce nu a venit, dar bănuiesc că e ocupat cu filmări, pentru că filmează acum un... Este montare cu un serial la HBO și probabil este ocupat, cred că de asta nu a venit. Am văzut aici în afișă că scrie că este un film românesc. Știu că toți sunteți din Republica Moldova. Cine a finanțat acest film? Proiectul a fost finanțat de Centrul Național de Cinematografie din România, probabil, dar nu știu sigur. Este Saga Film, o casă de producție din București. Iată, aș vrea să știu cine ți-a ajutat ca să ajungi la Strasbourg. Păi am venit la invitația ICR-ului din Strasbourg. Toate taxele au fost achitate de ei și a fost un gest foarte frumos, m-a onorat foarte mult, îmi pare bine că am venit. Credeți că acest film va avea un auditoriu această seară, fiindcă orașul Strasbourg este un oraș studențesc și studenții la această perioadă sunt în examene? Cum credeți? Cum va fi seara asta? Eu sper că cine o să vrea mult o să aibă și timp să vină. Da, dacă vrei cu adevărat, cred că îți faci timp. Filmul are subtitră, înseamnă că o să fie și mult francez. Da, filmul a fost subtitrat în limba franceză, tot de Institut Cultural Românesc. Bun, mulțumesc mult și dorim ca spectatorii să fie cât mai mulți și să aveți un succes major aici la Strasbourg. Să fie, mulțumesc! I'm sorry to interrupt you, I just want to present Igor to someone from the university. Well, today is like that for all. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au nom de toute l'équipe de l'Odyssée pour cette dernière soirée spéciale, mais d'une quinzaine qui se poursuit jusqu'au 9 décembre. Et je suis très heureux d'être ici avec l'acteur principal du film En bas du ciel, que vous allez voir. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Igor Babiak. Bonsoir, bienvenue. Je suis aussi très heureux de vous
l'association ADER, l'association des étudiants roumains de Strasbourg, qui sont, et on en est très heureux, notre partenaire pour cette troisième quinzaine du cinéma roumain. Alors, le monsieur qui filme peut aussi filmer le balcon, parce qu'il y a encore plus de gens au balcon. L'Odyssée, c'est un endroit où il y a vraiment toujours plus de monde au balcon qu'en bas, comme on dit en français. Donc, le film En bas du ciel, que vous allez voir ce soir, dure à peu près 1h20, et tout de suite après la projection, eh bien, on aura une demi-heure de temps pour pouvoir discuter, débattre avec Igor Babiak, et je ne sais pas si Galine a traduit ce que je dis, parce que Igor ne parle pas le français, mais il traduira après, et je donne tout de suite le microphone à Igor Babiak, on peut applaudir un peu. Igor Babiak. Eu sunt Igor, m-am filmat în acest film, sunt din Republica Moldova, o țară între Ucraina și România. Filmul a fost filmat de regizorul Igor Kobelianski, la noi în țară este destul de, este cel mai popular, cred că, regizor de film. A început să fac scurtmetraje, cu asta a fost recunoscut în toată Europa, cred. Je voudrais vous rappeler que je serai disponible dans la République de Moldavie. Il dit que le pays c'est entre l'Ukraine et la Roumanie. Le film a été tourné par Igor Kobelianski, qui est un réalisateur très connu dans son pays. En plus, il a commencé par des courts-métrages et est devenu petit à petit fameux. Tiens, je vais vous dire que me paraît bien qu'il existe la possibilité de se voir un film de différentes scènes. Filmul este o ficțiune, dar e inspirat dintr-o realitate. Așa, cu... Deci, văzând filmul ăsta, o să puteți să ajungeți cumva în Moldova. În Republica Moldova, autentic. Cred că e autentic. Așa și. Il est très content que nous on diffuse le film de partout. Ce film-là, il était tourné en Moldavie et ils pensent qu'ils peuvent donner un aperçu de la Moldavie authentique, un peu, même si c'est un film qui est une fiction, mais ça reste inspiré de la réalité. En ultimii 5 ani, Moldova, cred că s-au făcut vreo 10 filme. Noi suntem optimiști și credem că o să facem cât mai multe filme și o să călătorim pe lume, o să ne împrietenim și o să demonstrăm încă o dată ca arată omenește. Les derniers 5 ans, ils ont réalisé 10 films dans la République de Moldavie. Ils sont très contents de pouvoir partager ces films. Ils espèrent qu'ils sont optimistes, ils espèrent qu'il y aura plus de films. Et ils espèrent voyager avec les films pour les présenter partout parce que l'art et le cinéma réunissent ces personnes. Visionnaire pour vous. Bonne séance.
Cam un minut de ceas. Ce facem? Azi că sunt moaie. Așa că nu sunt de beton. Ai greșit ușa? Atunci ce s-a întâmplat? Ai venit să-mi aduci florile astea? Pui aici un clip de iarbă, mai iei un chel de portocale și pe asta o pui la fund. Și eu și-o modam. Nu mă duc eu băiat la mătală. Și treaba mea cu dânsul. Dar nu vorba de mătală. Vorba despre un băiat care stă în cadru și trebuie să-l ajut. Nu mă doare în pulă cu mătală mea încăcat. Și dacă ședeam ea toată seara în pulă? Știi că nu e așa. Și dacă vrei să știi, nici iarbă nu mai este. Yeah.
22h10. Donc, moi, je voudrais simplement dire au nom de l'Odyssée que c'est un film, d'abord bravo pour l'interprétation. Si quelqu'un peut avoir la gentillesse de lui traduire, je serai reconnaissant, merci. Une écriture épurée, mais qui est très intense et très dense à la fois. Et moi, je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de montrer, dans le cadre de cette troisième quinzaine, ce film En bas du ciel. Donc, bravo Igor, et je crois qu'on peut l'applaudir un peu. Igor, merci. Donc maintenant, on peut poser les questions que vous souhaitez. La parole est à la salle. Du coup, vous étiez dans la salle. C'est la première fois que... Est-ce que c'est la première fois que vous voyez le film? Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir jouer? Moi, ça fait un moment de monde, de le changer. Moi, déjà, j'ai monté mon poids, donc peut-être ce monde à l'architecture. J'ai vu le film, il a vu le film plein de fois, au moins 15 fois. Cette fois-ci, il a regardé la belle architecture de la salle. De la început, quand on a vu la première fois le film, dar chiar și acum, mai ales că e un personaj negativ, mi-e antipatic această durere, mi este silă să mă uit la... Adică când mă văd pe mine pe ecran, întorc ochii și mă uit la personajele celălalt, le ascult. Il a un peu de mal avec le personnage parce qu'il le trouve antipathique, c'est un personnage négatif et chaque fois qu'il le voit, il détourne son regard parce qu'il a un peu honte de ce personnage, de l'écouter. C'est tout. Pourquoi c'est négatif le personnage? Pourquoi, tu penses... Donc, pourquoi le personnage est-il négatif, dit monsieur. Demande monsieur. Négatif, nu știu, negativ, pozitiv, mi-e antipatic ca om, deci nu suport așa oameni. Mi se pare că, deci, oamenii care nu sunt principiali, care, dar bine, nu au fost educat oricum, are o mamă, știi ce înseamnă rău, știi ce înseamnă bine, trebuie să fii cumva, să ai o verticalitatea ta și chestiile pe care le faci, și trebuie, pardon. Alors, il dit que ce n'est pas un personnage forcément négatif, c'est juste que la typologie de vie horaire, il n'y a pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de principe. Bon, forcément, il n'était pas quelqu'un avec une bonne éducation, mais quand même, il a un maman qui a su lui expliquer quelque chose. Donc, prostitué de faire une fois, c'est une mentale. Très beau, c'est une mentale. Les conneries qu'il a fait sont impardonnables. On peut pas pardonner ça. Este o poziție mai mult a mea personală, dar asta mă ghidează și în actorie. De asta mă țin. C'est un point de vue très personnel, mais c'est ça qui me mène dans ma façon de jouer, il dit. Mulțumesc. En un mot, il n'a pas l'habitude, Igor, de taper sur les gens dans une cage d'escalier avec un instrument métallique. D'autres questions? C'est juste, est-ce que vous pensez que ce film-là, ça peut être une représentation de la vie des jeunes à Moldavie? Qu'est-ce que vous pensez sur... est-ce qu'on peut... En regardant ce film, c'est comme une représentation de la vie, quoi. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Le film, on a vu, je crois, au moment de l'année 2000, sûr, les choses se schimbent încet, încet, dar e destul de reprezentativ. Cred că nu s-a trecut prin problemele astea, din motive financiare, de sărăcie, le film présente la Moldavie des années 2000. Forcément, ça, c'est
c'était le premier film qu'il avait réalisé avec Igor Kobylansky et qu'il nous dise un peu de la façon dont ils ont travaillé. Est-ce que c'est quelque chose qui l'a marqué? Est-ce que c'est quelque chose de neuf? Comment ils ont travaillé? J'ai vu aussi que le scénario appartenait à Kobylansky et à Cornelio Porumboiu. Je voudrais savoir si, voilà, c'est comment ils, si Cornelio Porumboiu a travaillé aussi pour la mise en scène, pas pour la... Oui, la mise en scène avec Kobylansky, ou si c'était seulement Kobylansky qui a proposé la vision principale. Kobylansky, le premier et unique film. Și așa, cum a cerut la Porumboiu în film? Porumboiu a fost scenaristul filmului. A intervenit în turnaj? El a scris scenariul, dar l-a scris cumva pentru o zonă de România, pentru Vaslui. Alors, c'est le premier mini-film avec Igor Kobylansky qu'il a réalisé jusqu'à présent. L'intervention de Porumboiu, c'est surtout il a écrit le scénario, mais lui, il a écrit le scénario pour une ville de Roumanie, la ville de Vaslui. Pe urmă, scenariul a fost preluat de Igor Kobylansky și s-a hotărât să se filmeze în Republica Moldova, așadar a suferit niște schimbări, mici schimbări de adaptare. Le scénario a été écrit par Igor Kobylansky et vu qu'ils ont tourné en Moldavie, ils ont choisi de l'adapter à l'endroit. Cu părere de rău pe Cornelio Porumboiu, l-am văzut doar la premiera filmului. Mi-ar plăcea mult să-l cunosc și să lucrez într-un film anului, cândva filmul lui. Ați văzut și Metabolism, am văzut și eu și mi-a plăcut tare mult. Malheureusement, j'ai vu Cornelio Porumboiu que lors de la première du film. Ça m'a fait un grand plaisir de travailler avec lui. J'ai vu son film, comme j'espère pas mal d'entre vous, Metabolism, sinon je vous invite. Qui passe Cred că a reușit prin acest film să-și manifeste foarte subtil, să-și manifeste subtilitatea lui, care cred că e ceva nativ. Il a réussi de montrer à travers ce film sa subtilité, qu'il trouve que c'est quelque chose de natif pour Cornelio Porumboiu. Igor e ca filmul, cumva. Adică, când vezi filmul, îl cunoști pe Igor. Deci are niște calități care mă fac să-l respect. Este un om demn, niciodată nu spune ceva în plus, știe să-și ceară scuze, când lucrează pe platou, își face treaba bine, deci nu se întâmplă așa să-l vezi pe platou, să-i pui o întrebare, să nu știe să-ți răspundă, știe foarte bine ce face și asta mie, ca actor, îmi dă o încredere și cumva mă face să mă simt mai sigur pe ce se întâmplă, mai liber. Alors, Igor, c'est comme son film. Quand vous voyez son film, vous vous rendez compte de la personnalité de Igor. C'est quelqu'un de très digne, très sérieux, il tient sa parole, il s'excuse, il arrive quoi que ce soit sur les plateaux. Chaque fois qu'on lui demande quelque chose concernant le film, si on se croise sur un plateau, lui, c'est... toutes les choses qui sont à leur place. Et ça me fait une grande confiance en lui, il dit. Et ça, c'est un grand plaisir de travailler avec lui à son côté. Dacă vreți să-l cunoașteți mai bine pe Igor, vă propun să-i vedeți scurtmetrajele cu care a început. Ele sunt pe net, le găsiți ușor, Igor Kobylansky, și le vedeți. Și de la acele scurtmetraje a ajuns el până la să facă și acest film. Și acum mergem înainte. Din noutăți, dacă vă este interesant, filmează acum un serial la HBO în România, cu Șerpa Pau în două principale. Sperăm să vedem pe ecran. Alors, si vous voulez mieux connaître Igor Kobylansky, il faut que vous tapez Igor Kobylansky, vous regardez ses courts-métrages, parce que les courts-métrages montrent sa personnalité encore plus clairement. C'est avec ça qu'il a commencé, ensuite il est arrivé à réaliser le long métrage et maintenant il est en train de travailler avec HBO pour une série avec... C'est le commentaire en perturbant. Sherban Pal. Avec Sherban Pal comme personnage premier rôle et s'appelle Les Ombres. Deci, prin acest film, Igor cumva a demonstrat că se poate face un film dacă este o idee și dacă vrei cu adevărat. Pentru că în Moldova, în ultimii 10 ani, cred că s-au făcut 20 de
après, mais plein de films qui se sont réalisés. Très cher Igor, il paraît que ces derniers temps, tu es plutôt dans les salles de théâtre et un peu moins dans les, pas sur les écrans. Est-ce que c'est un choix incontournable ou tu as des projets pour tourner d'autres films? Le fait que je suis engagé au Théâtre National de Chișinău ne signifie pas que je ne peux pas me filmer. Donc, nous avons voie de nous filmer, juste pour que să fie compatibil cu programul teatru, deci se poate. Sunt foarte dispus să mă filmez, iubesc și teatrul și filmul. Le fait qu'il travaille pour le Théâtre National de Chișinău, ça ne l'empêche pas de faire des films. La seule condition, c'est de respecter les engagements entre les films et l'engagement vers le théâtre, parce que lui, il aime également le théâtre et le film. Et si on fait 20 films en 10 ans, ça fait une moyenne de 2 films par an, donc c'est bien qu'il y ait le théâtre aussi. D'autres questions? J'ai bien compris que le personnage que tu as interprété pour ce film, c'était quelqu'un que tu n'aimais pas, que c'était antipathique pour toi. Alors, c'est quoi le personnage idéal que tu voudrais interpréter? Tu as pensé au début de carrière, je pense que tu souhaiterais... jouer dans un certain rôle de personnage, sont lesquels les personnages que tu aimerais le plus jouer? Pentru mine este important filmul, ce aș vrea eu să joc sau nu. Este important mesajul filmului. Contează, asta contează cel mai mult. Pour lui, c'est plus important le film, le message du film, que le personnage qui est censé jouer. Il considère que c'est le plus important que le film transmet quelque chose. Așadar, aș putea să joc de la... démon, non, un ange, je crois. Comme ça, je peux être aussi un démon et un ange. Ca, important est que le film se éduque, se transmette, se transmette quelque chose, se invite les générations, se éduque. Il est important que le film cultive les gens, qu'il apprend les générations, c'est vraiment le message qui compte. Olga, alors, si tu n'aimes, si pour toi c'est le message qui compte, quel est le message que toi tu me transmets que tu n'aimes pas le personnage, donc tu n'aimes pas le personnage, pourquoi ou selon toi quel est le message derrière ce film? Quel est le message qui se bat le film? Da, asta și pentru mine întrebare. Cred că sunt filme care care este important doar să le vezi, ca să cunoști. Deci, pentru mine filmul ăsta e ca un fel de... Dacă eu aș fi din altă țară și nu aș fi nimic din Moldova, ar fi ca o carte de vizită a unei părți din Moldova. Foarte frumoasă, carte de vizită. Alors, quel est le message du film? C'est une bonne question pour moi aussi. Si je n'étais pas moldave, je prends... Bon, il y a des films qui sont des films que pour voir. Et ce film-là, si je n'étais pas moldave, ça aurait pu être une carte de visite, un aperçu sur la Moldavie. Pas la Moldavie, une partie. Voilà, une partie. S'il vous plaît. Voilà, une toute petite partie. Dacă aș vedea un film despre Coreea, că am văzut filme despre Coreea de Nord, și asta de lucrurile care se întâmplă acolo, tragediile care se întâmplă acolo, asta mă atrage să cunosc mai multe, să mă educ, să învăț, că altfel, dacă o să ne uităm doar la distracții și o să fim cu ochii închiși, cumva o să rămânem așa, în țara lui noi. Il a pris, par exemple, la Corée du Nord, il a pris pas mal de films sur la Corée du Nord, et ça a été très... Non, il s'est cultivé avec de ça, il a découvert plein de choses, et à cause de ça, il a appris. Il a dit que finalement, le but des films, c'est de se cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, et comme ça... Sinon, si on fait la Merci. Le film, il parle quand même d'un destin, d'un individu, mais la thématique, elle reste universelle. C'est l'individu qui se cherche dans un contexte de destin qui est contre lui. Alors, le bien et le mal, ça se développe d'une scène à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est tellement typique pour une certaine région ou typique pour l'individu... à la fin de l'adolescence, qui se cherche et qui cherche le travail, qui a une certaine vision sur l'amour et la réalité le contredit. Alors, je ne sais pas si c'est le bien et le mal, mais la thématique, c'est
l'individu qui se cherche. C'est ça que je trouvais. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez entendu au balcon ? Donc, moi, je pense que plus que de parler d'une région, c'est, même si ça se situe dans cette région, dans une région particulière, la problématique du film, c'est davantage un individu qui est en train de se chercher et de chercher à exprimer son identité. Et qu'en pense Igor ? Da, eu sunt de acord, am prins și eu asta din film. Cei mai... care-i treaba cu filmul? Fiecare vede în felul său. Alors, je suis complètement d'accord avec ça, mais concernant le film, chacun regarde son film à travers ses yeux. Mă bucur că ați văzut asta. Je suis content que vous avez remarqué ça. Și m-ați întristat așa. Et vous m'avez rendu un peu triste. Dar este un adevăr. Mais c'est la vérité. Je voudrais juste revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure, interpréter un ange ou un démon. Je pense que les personnages du film, justement, lui et son copain, son camarade, Fabio Aurel et le Gusker, incarnent d'une certaine manière les deux à la fois. En les regardant, on a l'impression qu'il y en a un qui est qui veut se tourner vers le bien, qui choisit de travailler, etc., qui veut retrouver une vie normale, et puis l'autre qui continue à faire du trafic, etc. Mais en fait, au fond de chacun d'entre eux, il y a une recherche. Et tout cela, on le voit surtout à travers cette métaphore du vol et du delta plat. Je pense que c'est ce qui donne le sens au film, c'est parce qu'ils ont un rêve, et surtout celui qu'on croit le plus noir, il a le rêve de voler. C'est ce qui est le plus important dans sa vie. Et avant de partir pour mourir, il pense à son delta plat. Bon, il lui dit, bon, fais attention. C'est un ange déchu, mais il veut encore. Yes, super. But is the question or your remark? Est-ce qu'il est d'accord avec cette interprétation? Încă mai visează. Da, da, da. Asta e una din metafore, că în orice mocirilă noi fi, vrem totdeauna să tindem spre mai mini, sigur. Asta e, cred, prima metaforă a filmului. Și titlul filmului, La limita de jos a cerului, tot de noi. Alors, ça, c'est universel, parce que chacun qui est dans les plus promiscues situations, il a envie de faire du mieux. Et le titre du film, ça parle de ça aussi, c'est En bas du ciel. Pentru că cerul are două limite, așa îmi spunea Igor Kobilianski. Eu l-am întrebat ce înseamnă titlul. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire le titre. Elle a dit que le ciel a deux limites, une en bas et une. Și Igor mi-a răspuns, uite, cerul are limita de jos, cerul și limita de sus. Până la limita de jos e rău, și tu vrei să ajungi la limita de sus, să treci dincolo de unul. Igor a dit, t'as la limite basse, t'as le ciel et t'as la limite haute. Tout ce qui est en dessous de la limite basse, c'est du mal et tu veux la dépasser pour arriver au ciel. Igor, merci beaucoup. Comme s'il y a une toute dernière question. Normalement, est-ce que après ça, je t'ai senti autrement? Ou est-ce que ton... Voilà, c'est ton idée de personnage. Nu știu. Idee n-am. Cred că mi-e mai ușor să mă uit la alt film decât la ăsta. M-a
atinge mai mult situația în care se află și îmi pare rău că asta nu e doar în film. Poftim? Da, mă atinge, da. En fait, lui, il ne sait pas. C'est surtout le message du film qui le touche le plus parce que on trouve il a vu ça dans la réalité aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, moi, je voudrais redire que c'est un film fort, qui est un beau film, qui rappelle que les démons sont parfois des anges déchus, comme vous l'avez dit à juste titre, et que... voilà, et qu'un démon, ce n'est pas forcément tout à fait l'opposé d'un ange, c'est tout simplement un ange qui est tombé. Bravo encore à Igor pour son interprétation et merci d'être venu ici à Strasbourg. Et je vous souhaite beaucoup de succès, Igor, et au théâtre et dans d'autres films. Le film de ce soir, c'est le deuxième film moldave que nous montrons ici à l'Odyssée. Je pense qu'on doit être les seuls en France. En tant que salle de cinéma, avoir ce plaisir. Oui. Oui. Donc, c'est la deuxième fois. In the first movie, you see here the colors. If you remember, I have a second role in that movie. Oui. On that video, I see this scene. Uh-huh. And now I'm here. Donc, pour l'instant, Igor n'est pas un ange déchu, n'est pas un démon, mais je lui souhaite encore beaucoup, beaucoup de vol et j'espère qu'il reviendra ici à l'Odyssée avec d'autres films. Voilà. Merci beaucoup, Igor Babiak.